Salut à tous, c'est Aurélien de chez osflip.com. Aujourd'hui, je voulais revenir un peu sur donc le tuto montage démontage des poignets qui en a fait réagir pas mal. Et ça, merci à vous de réagir sur notre Facebook, ça nous fait plaisir. Et qui en a aussi choqué quelques-uns à tel point qu'ils ont eu un peu de mal à écrire, mais bon, on leur excuse. Donc pour démonter les poignets, nous chez Osflip, on utilise le WD-40, c'est une technique qui marche très bien, qu'on utilise pour monter nos custos ou alors pour faire nos SAV. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tas, mais plus on en met, et plus ça facilite le glissement. Après, le temps de séchage est un peu plus long, effectivement. Mais pas de 5 mois, je vous rassure. Donc, pour faciliter l'enlèvement des poignets, vous pouvez prendre donc une clé de compression qui fait office de tige ou alors un tournevis plat que vous logez donc entre le guidon et la poignée. Voilà, un petit peu de dégrippant. Et voici. Et donc pour ceux aussi qui auraient peur du WD-40, il existe la bonne vieille méthode du déodorant. Ça fonctionne de la même façon. Donc vous glissez la clé entre la poignée et le guidon. Hop, un petit coup de déo. Et voilà. Ça marche tout aussi bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser les deux techniques qui se valent. Donc pour remonter vos poignets, même principe, vous mettez un peu donc de WD-40 ou de déodorant à l'intérieur de vos poignets. Voilà, juste à faire glisser. Pareil avec le déo. Et voici. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et dans 5 minutes, vous pourrez aller rider. Allez, en tout cas, moi je vous dis à une prochaine pour un autre tuto. Et merci de continuer à nous suivre donc sur nos Facebook. Et si vous avez des questions à nous poser, on est dispo sur Twitter, au téléphone. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, @osflipshop. Allez, bon ride, à la prochaine!